Let's go. Direct déjà un temps de troll de streamer 3, mais y en a pas beaucoup, je crois. Hein. La 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 la. Le jeu où tous les Pokémon peuvent fusionner, les gars. On va reprendre notre version et on va se régaler. Bonjour, bienvenue. On venait d'arriver à Carmin-sur-Mer. C'est le moment de se régaler. Je vous présente la fusion Kadabra Air Bizarre, ma fusion Nidoking Léviator, et il faut que je fasse fusionner ce petit con. Donc on est quand même pas trop mal, je vais devoir aller sur le bateau, vous connaissez la mala, on va parler avec les gens et tout, bref. On va se régaler, il faut que je chope coupe aussi. Donc on va se mettre bien stylé Kadabra, mais ça c'est même pas Kadabra, du coup c'est bien le machin. Hein. Donc let's go. Let's go, on va essayer de capturer des Pokémon. De XP ceux que j'ai et de faire des fusions intéressantes. Par contre, du coup, faut que je vois qui est-ce que ce serait intéressant de faire fusionner avec pour Tignon, mais. Ouais, dans l'esprit, on est pas mal. Attends, c'est un mix de Machoc et de Nidorino. C'est Machoc Nidorino, non? Il a réussi à me mettre du poison dans la gueule. Ça, ça a de la bonne gueule, ça. C'est quoi Twister? Attaque dragon Twister. Après, c'est du spécial et je suis nul en spécial, donc en vrai, pas trop d'intérêt, même si c'est une attaque dragon. Tout. Alors, on se régale sur le jeu, vraiment, j'aime beaucoup. Hop, use. Ensuite, je dirais. Nidoking et Maconier, ça va être incroyable, c'est sûr. C'est ouragan, c'est à chier. Bon. Merci pour la précision. Putain, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Comme je vous ai dit ces derniers temps, j'ai repris vraiment bien le sport et tout, depuis 2 mois maintenant. Oh, la Magnéti Ramoulos, mon dieu. Et comme je vous ai dit, genre là, aujourd'hui, j'ai réussi à courir 20 minutes. Je vous jure, mais je n'avais jamais fait ça de mémoire de ma vie, frère. Genre, ça a été chaud. Ça a été tes heures de conduite? Oui, ça a été. J'ai été avec un autre moniteur, avec une monitrice. Et c'était difficile parce que, en fait, avec mon autre moniteur, j'étais bien, vous voyez. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pris des mauvaises habitudes dans ma conduite. Et c'était des mauvaises habitudes que, par exemple, l'autre moniteur ne me corrigeait pas trop, tu vois. Donc là, j'étais avec une nouvelle. La meuf, elle m'a dézingué. Elle m'a dit, ouais, machin, nanana. Mais ça m'a fait du bien de pouvoir faire ça. Du coup, j'ai pu corriger pas mal de trucs dans ma conduite. Typiquement, dans les ronds-points, à des moments, je regardais pas de manière assez convaincante, entre guillemets, l'angle mort. Quand je faisais de temps en temps un virage à gauche, ça m'arrivait de un peu couper la route. Tu vois, vous voyez ce genre de défaut dans la conduite. Et du coup, elle m'a aidé à corriger un peu ça et ça m'a fait du bien. En plus, j'ai conduit 2 heures et je dois le dire, quand t'es pas habitué, les gars, conduire longtemps, ah, c'est pas facile, hein. Les gars, les 2 heures de conduite, j'étais fatigué au bout de 1h30, j'étais vraiment fatigué. C'est fatigant de conduire, tu vois. Mais la session de 2 heures m'a fait du bien. Là, il me reste 1 heure de conduite avant ma date d'examen. Donc ma date d'examen, ouais, voilà, il me reste 1 heure de conduite. Et la meuf, elle m'a conseillé, elle m'a dit, bah, quand t'as ta date d'examen, refais un petit 2 heures de conduite. Comme ça, tu te remets vraiment bien, bien, bien. Et j'ai accepté, j'ai trouvé ça intéressant de refaire 2 heures de conduite avant, du coup, de prendre la date de manière complète, tu vois. T'as pété un boulot au bout de 2 heures. En fait, c'est chaud, tu vois. Et non, j'ai même pas fait de pause. Et à un moment, mon cerveau, genre vraiment, il cassait. Parce qu'en plus, j'étais dans une zone où les Lyonnais, je pense qu'ils conduisent, voient à peu près de quoi je veux parler. D'où je veux parler, on était à Jena. Et en fait, Jena, les gars, on était sur une zone, les gars, où il y a full rond-point, intersection, priorité à droite, rond-point, quatrième, rond-point, et donc en fait, ça te demande un truc où tu dois passer des rapports, être attentif au panneau, être attentif à la priorité à droite, et au stop, et ensuite il y a des ronds-points, et tu dois reprendre, et tu dois machin, et tu dois truc. Et vraiment, genre vraiment, tu termines, t'as le cerveau qui a fumé, tu vois, c'était pas fastoche.
Merci à Zatak pour le reçu. Donc du coup, voilà, franchement, j'ai pris des tartes avec la meuf. C'est-à-dire qu'elle m'a pointé plusieurs défauts dans ma conduite. Elle a insisté sur pas mal de choses et tout machin. Mais elle l'a fait d'une manière, tu sais, bien. Genre j'étais content. Genre elle voulait vraiment que je progresse. Et à la fin, elle m'a dit ouais, t'as vraiment une bonne conduite et tout, t'es vraiment bien. Juste règle ça, ça et ça. Tu vois, deux trois défauts que je viens de vous énumérer par exemple. Et elle m'a dit ça devrait aller très bien pour toi. Donc j'étais content. T'es d'où, de Lyon? Bah, à la base, je suis plutôt de Lyon 3. Sinon, en soi, quand j'étais gamin, j'avais grandi à Rieux et à Villeurbanne. Wesh, c'est quoi ça? C'est Neuneuf et Voltorb? Mais c'est quoi cette horreur? Moi, c'était une pause toutes les heures. Ouais, mais la meuf, elle m'a proposé à un moment de faire une pause et je sais pas pourquoi j'ai dit non. C'était débile. Voltorb et Rondoudou, putain. J'avais pas reconnu. J'avais cru voir un. Ouais, j'avais cru voir un Neuneuf. Mais voilà, donc en tout cas, bientôt ma date d'examen. Après ma dernière heure de conduite qui est samedi. Et après derrière, comme j'ai dit, je reprendrai une petite heure de conduite supplémentaire et let's go quoi. T'as grandi à Rieux, ouais, vite fait quand j'étais jeune, mais j'ai jamais passé trop de temps non plus. Je vais pas m'inventer une vie, tu vois. Je suis pas vraiment un mec de là-bas, tu vois. Genre là où j'ai passé le plus de temps dans ma vie, putain l'horreur. Là où j'ai passé le plus de temps dans ma vie, c'est plutôt Lyon 3ème. En vrai, on n'a jamais trop vécu dans des quartiers avec ma mère. Même si on était pauvres, on a toujours grandi dans des quartiers un peu plus classiques, on va dire, entre guillemets. Lyon 3, ça reste immense. Ouais, j'habitais à la Villette. Assez souvent proche de la gare, des trucs comme ça. C'était pas mal, hein. Oh. J'ai visité Lyon une fois, deux jours. C'est pas incroyable par rapport à ce que j'ai entendu. Je pense que j'ai loupé des trucs. Non, mais c'est pas. Je pense que c'est sûr. Après, c'est pas la ville du siècle non plus, mais c'est une des meilleures villes de France. Très loin. Après, je vais te demander qu'est-ce que t'as fait. Tu vas me dire que quelqu'un t'a ramené à Lyon 8 et que j'avais envie de mourir. C'est comme Capet, ce connard. Capet, je le connais. Il y en a qui connaissent Capet le vrai. C'est un ami à moi. Et souvent, j'allais le voir à Nice. Et à Nice, je suis allé le voir deux, trois fois l'été. On restait quelques jours. Et il me ramenait jamais dans les coins sympas. Genre, il m'a fait faire un peu la promenade des Anglais. Il m'a fait faire, une toute petite partie à côté du vieux Nice et tout. Mais bref, franchement, j'ai rien vu au final, tu vois. Et donc, du coup, je pensais que Ville, c'était une ville pétée, tu vois. Et puis ensuite, j'ai refait Nice, là, avec un Niçois. Il m'a fait visiter bien le vieux Nice, les hauteurs, un peu des trucs aux environs. Et je fais, mais attends, mais en fait, je connaissais rien de la ville, frère. En tout cas, rien des bonnes choses. Donc je me suis dit, putain, c'est primordial à des moments de... C'est quoi, là, qu'il propose d'apprendre? C'est quoi, Swift? C'est l'attaque qui rate jamais mais qui tape 60 en spé. Bon, vu que j'ai que des trucs de merde. Genre le Foresight vite fait, mais bon. Ah, c'est Météor, ok, bon. Bon. C'est pas la folie, mais. Ouais, c'est Météor, j'avais pas reconnu. Oh là là, l'horreur que c'est. Hop. On va switcher avec ce monsieur. Ouais, du coup, Nice, très sympa. Et puis au final, moi, je me régale. Là, ces derniers temps, ça va bien. Je vais au Canada dans une dizaine de jours voir ma petite sœur. J'ai très hâte. Et puis là, j'ai des vidéos très sympas qui arrivent. Là, demain, j'ai une vidéo, les gars. C'est la vidéo la plus chère de l'histoire de ma chaîne. Elle m'a coûté genre 3000 balles. C'est une vidéo sur une histoire. On a loué un lieu. Il va y avoir un peu de la prod. Un truc vraiment sympa à faire et tout machin. Et ça sortira, je pense, courant août. J'ai hâte. C'est un vrai premier test qu'on fait avec mon équipe et tout. Pour essayer de faire un truc un peu plus produit. On envoie quelque chose de solide. Alors sur celle-ci, bien évidemment, quand tu mets genre 2-3000 balles dans une vidéo, tu fais que t'es à perte, mais le but n'étant pas le bénéfice, mais surtout d'essayer de créer quelque chose d'un peu différent. Donc, trop cool. Ou au Canada, à Toronto. Ma petite sœur habite à Toronto. Et j'ai prévu des vlogs,
J'ai prévu également de passer quelques jours à Montréal pour aller voir les frérots de Montréal, notamment les Gurki, tout ça, machin, j'ai hâte. Et puis voilà. Oh l'horreur. Oh, c'est de la merde. Ouais, bien sûr que je tente toujours des choses sur YouTube. Moi, je tente souvent des choses sur YouTube. Ça me tient à cœur, moi, de tenter souvent des choses. Et de faire des trucs sympas. Mais en tout cas, ouais, on va passer. Peut-être que je ferai une visite de Montréal, tu vois, un truc à ça. Les villes du monde, hashtag 1 Montréal. Ce serait marrant. Ça bien. Bon, lui, il se prend un x4, il dégage. Ah. Ouais, c'est vrai que le concept des langues, il y avait un petit... Il y avait un potentiel. J'avais bien aimé. Après, tu vois, on tente des choses. Faut toujours tenter des choses pour pouvoir... éventuellement un jour trouver ce qui fonctionne, tu vois. J'ai pas de mal à avoir de temps en temps les choses qui flopent. Après, c'était une autre époque, tu vois. C'est une époque où il fallait que je passe par là pour expérimenter et passer à l'après Call of Duty, tu vois. Genre là, maintenant, alhamdoulilah, quand je sors un truc, il y a beaucoup moins de flops. Retour des vannes les plus pourries des abonnés. Le concours de blagues. Ah, le concours de blagues, j'aimais bien, mais à la fin, ça commençait à être vraiment chiant. Genre, j'ai senti que je devais faire autre chose. Enfin, je voulais aussi faire autre chose. Il y en a beaucoup hein, qui me redemandent ouais, les concours de blagues et tout machin, mais à la fin ça devenait que ça. Et c'est vrai que quand t'es un créateur de contenu et qu'on te demande trop un truc, ça donne envie de fuir. Ça donne envie de faire tout sauf ça. Une date pour le prochain quiz foot? Ouais, j'ai eu des nouvelles sur ça. J'ai eu des nouvelles pour les prochains quiz foot, mais surtout j'ai eu des nouvelles pour des prochains quiz qui risquent de ne pas être sur le foot. J'avais dit que ça je voulais le faire sur d'autres sports aussi, et ben. Sachez qu'il y aura d'autres quiz sur d'autres sports et que ça sera très cool aussi. J'ai hâte de vous en parler. En tout cas, on bosse un petit peu cet été pour préparer aussi la rentrée. Et puis voilà. Hein. À la rentrée aussi, j'aurai mon studio perso à Webedia et ça sera très très cool. J'ai très hâte. Et voilà, hein. On se régale. Hein. Faut que Montignon il apprenne 2-3 tactiques, 2-3 techniques un peu plus énervées. Et il est encore trop fragile. La 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 la. On se fait ce bon vieux bateau. C'est important. Quiz tennis. Bah ces derniers temps je suis dans ma vibe tennis hein. Webet ça va loin, ouais ça va loin. Mais ces derniers temps, depuis Roland Garros, j'ai repris le tennis. Je suivais beaucoup plus quand j'étais plus jeune, mais là maintenant, je suis vraiment bien. Genre, même avant Wimbledon, j'ai suivi des tournois. Genre, je crois que c'était La Haye, un truc comme ça. Ouais, en tout cas, j'ai trouvé ça génial. Donc, et la finale Alcaraz-Djokovic est exceptionnelle. Et en fait, je me rends compte que je suis vraiment passé à côté de quelque chose, frère. Pour la meilleure poutine à Montréal, c'est chez Tousignan. Et y a de la poutine halal ou c'est comment, genre le Canada pour manger halal? Ma petite sœur m'a dit que ça allait. C'était même plutôt pas trop mal. Joël est sous baril chez Papsan, c'est mort de rire. Ah, ça m'étonne pas. C'est très bien pour le halal. Ah bah c'est cool ça. Grande ville, c'est correct, y a partout. Ok. Merci de vos réponses. Non, le concept des langues, on était allé dans des facs pour demander aux gens. Mais RG m'a vraiment remis dedans de ouf. Et c'est un plaisir. Oh l'horreur.
T'avais l'air de suivre la F1 à un moment, mais on dirait que t'as arrêté. Alors, j'ai pas arrêté, je suis toujours, mais je suis beaucoup moins assidu. C'est vrai que je suis beaucoup moins à donf sur les Grands Prix. Bien que j'aime bien Max Verstappen, j'ai déjà dit plein de fois, c'est vrai que la bataille de derrière me chauffe moins qu'avant. Enfin, c'est vrai qu'avoir... Du coup, moi, je kiffais quand Max challengeait Lewis et qu'il y avait un vrai truc pour la gagne, des vraies interrogations et tout. C'est vrai que maintenant qu'il gagne en ayant 72 tours d'avance sur tout le monde, c'est vrai que ça impacte un peu le truc. Là, c'est vrai que ces derniers temps, s'il y a deux trucs que je suis beaucoup plus, tennis et MMA. En plus, les Alpines sont moyennes, ouais, les Alpines. Ces trucs et tout, bon. Il y a plein de petits ajouts dans les... Dans les bails, j'aime bien. Oh là, le mix. Je suis pour qui au tennis? Franchement, sans faire le mec, depuis que j'ai recommencé à suivre, j'aime beaucoup, avant même qu'il gagne Wimbledon, bien évidemment, mais... Monsieur Carlos Alcaraz, je lui trouve un style qui est très kiffant. MMA en ce moment, il n'y a rien qui me hype. Ah, mais comment tu peux dire ça, frérot? On a eu l'UFC 290 il n'y a même pas deux semaines, gros. Il était exceptionnel. La carte était incroyable. Comment tu peux dire ça? En plus, ce week-end, le MMA, c'est... si je dis pas de bêtises, le MMA de ce week-end, c'est en Angleterre. Donc du coup, ce sera une heure décente pour nous. Pas de 4h du matin. Ça tue. Ouais, mais moi, t'es pour qui? Bah, je suis pour personne, en fait. Genre, c'est juste de manière générale, je suis, quoi. J'ai pas de mec où je suis là, ouais, bah, à fond, tu vois. Tu vas voir le UFC Paris? Bah, j'ai pas de place, mais on va essayer de faire jouer les contacts. C'est ce que j'ai dit, j'ai pas reçu beaucoup de mecs de la scène de MMA française pour ne pas pouvoir aller à l'UFC, mon pote, hein. On va essayer de s'en sortir. Hop. Oh, l'horreur, Magikarp mixé avec ça. TDM à Cyril, t'inquiète. Ouais, mais tu te doutes bien que Cyril, il y a beaucoup de monde. Oh, l'horreur. Il y a beaucoup de monde qui doit faire rentrer. Et le Tour de France, tu sais ou pas du tout? Ah bah répondez-lui, les gars du chat. On en parlait encore il y a quelques instants. La clé du capitaine. Écœuré par Vingegaard, bah oui frère. The Lives of Last of Us me manque, vous inquiétez pas. On relancera avec grand plaisir un autre arc jeu solo sur PlayStation. Genre j'ai bien kiffé, je pense que j'ai jamais vraiment fait Red Dead Redemption. On peut peut-être faire ça, on m'a parlé de Uncharted, on m'a parlé de jeux. Moi je suis totalement chaud pour refaire faire des jeux. Est-ce que je suis la NBA? Non, pas du tout. Pas le moins du monde, j'y connais rien en basket. Après, le basket, pour être honnête avec vous, c'est pas pour faire le gars, je pense pas que ce soit mauvais. Juste, le basket, c'est un sport à l'américaine. J'ai eu l'occasion d'en voir IRL quand je suis allé à Dallas. J'ai un seul souci avec le basket, les gars, c'est que vu que c'est un sport à l'américaine, il y a 1,5 milliard à peu près de pauses. Et moi, ça me casse les couilles. Les sports à base de 36 temps morts, c'est pas ce que je préfère. Ouais, c'est quoi ? Mais le mix est exceptionnel. En plus, t'as vu la meilleure équipe NBA ? Ouais, j'ai vu les Dallas Mavericks. Est-ce que je suis un peu le volleyball? Pas le moins du monde, frère. Par contre, pour la rentrée, j'ai repris un... Je me suis réinscrit dans un sport. J'ai trouvé un club... J'ai revu un club...
J'ai vu un club en loisirs. Alors, je voulais peut-être trouver ça version foot dans mon quartier. J'ai pas vraiment recherché, peut-être qu'il y a. Mais là, je suis en train de voir pour me réinscrire au badminton en loisirs dans mon quartier. Il y a des séances tous les soirs avec la possibilité d'y aller plusieurs fois par semaine et tout machin. La folie, les gars. À Clichy, ouais, à Clichy, exactement. Donc en vrai, reprendre le badminton, je suis bien chaud. Parce que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, on a fait du badminton. Ça m'a vraiment donné envie de reprendre. Inscris-toi en MMA, non. Et pause dans le tennis, il n'y a pas de souci, parce que sur un match de 4 heures, t'as une heure de jeu. Oh non, frère. Oh, le cliché fois 1000. Oh non, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter comme ça et d'être de mauvaise foi. Les gars, les pauses dans le tennis, tout est timé, tout est machin. Entre deux jeux, ça va super vite, même entre deux sets. T'es fou. Ça n'a rien à voir niveau arrêt de jeu par rapport à la NBA. La NBA, t'as énormément de pauses, de reprises, la pause entre les cartons, les machins. T'es fou. Après, attention, ce que je dis, c'était pas l'immense... c'était pas la critique... Oh, il m'a donné un fossile. C'était pas la critique de la NBA et du sport en tant que tel, tu vois. Genre, je dis pas que c'est pas cool, je dis juste que moi, de manière générale, les sports où il y a trop de pauses, je suis pas complètement en kiff devant, quoi. Il veut un drosy, c'est quoi un drosy? Putain, mais je reconnais pas. L'endroit a été entièrement refait en fait. C'est exceptionnel. Il y a même un casino dans le bateau maintenant. C'est soporifique? Ok, merci. Ah oui, j'avais oublié, faut que je lui casse la gueule. Que je lui casse la gueule à ce con. Warméléon. C'est le mix encore de Reptincelle et de machin. Oh là 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 là. C'est le mix de Reptincelle et de Carabaf, regardez-moi ça. Allez, dehors. Oh, la gueule horrible. Ratata féro-singe. Mais c'est quoi cette horreur? Ice Fang, c'est quoi ça? Oh! Ça, c'est pas de l'attaque de merde, ça. C'est une sorte de morsure. Ouais, c'est croc glacé, ouais. J'enlève quoi là? Morsure, rock tombe, morsure, on est d'accord, moi ça me semble le plus logique, morsure. Parce que double kick, c'est ma seule attaque combat, ou en tout cas une de mes seules, ou alors peut-être double kick. En vrai, double kick, ça peut se dégager. Hein. Ouais, crogivre, bien vu. Pour moi, c'est morsure ou alors... double kick, mais double kick c'est une de mes seules attaques combat parce que Tignon n'a pas de grosse attaque combat pour l'instant. Vous en pensez quoi? Pour moi faut garder Water Pulse qui est morsure, vous pensez? Rock tombe, non, rock tombe c'est ma seule attaque pierre, faut que je la garde. Double kick, c'est vrai que j'ai pas d'attaque morsure, enfin d'attaque ouais, je vois. T'as raison, faux kick, double kick. Non, j'ai personne d'autre avec les attaques ténèbres. Ouais. Oh bah, j'ai pas fait mon meilleur choix là. Allez, dehors. Putain, comment il est tout naze le rival. Comment tu expliques que les clubs font pas monter les enchères avec l'Arabie Saoudite? Ça parle de 25 millions pour ça maximum. 25 millions seulement? C'est vrai que c'est un peu en dessous de ce que je pensais.
Voilà. Allez, on va prendre coupe à un débile de la team. HM01 cut. Allez, tiens, le débile. Voilà, on a fait le tour du bateau, on a tout regardé, on a dégommé tout le monde. C'est le moment de se casser, là. Il allait faire la reine, non? Sablet Tignon, seul combat. Mais genre, Sablero Tignon, ça perd un peu de son truc, non? C'est pas ouf, je pense. Vous en dites quoi, genre, Sablero Tignon, c'est... Je sais pas, c'est un peu décevant, non? Là, l'écart de niveau est quand même ça, là, c'est un 25-12, je perds beaucoup, hein. Laisse, le vol te casse la gueule, ouais, t'as raison. Oh non, on est dans cette arène de merde, putain. Merci, mon gars, barbe bleue. Bon. On va casser la gueule des mecs pour commencer. La vidéo à Lille, j'étais content. Les prochains épisodes, j'espère pouvoir faire Marseille. J'ai à quelle date à Montréal? Je pense que je vais venir entre le 7 et le 9 août. Alors du coup, je sais pas si entre le 7 et le 9 août, c'est un match de MLS, mais j'avoue, s'il y a... Ça peut être un bail, hein. Pikael. Ouais, je sais, attends, mais c'est quoi le mix, là? Ok, je vais pas capter le mix. Ah ouais, Otaria, t'as raison. Oh là 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 là, mais la gueule du mix, mais mon dieu. Atroce, sérieux. Oh. Donc faut trouver le bouton et l'autre bouton sera juste à côté, c'est ça? C'est un bug du genre? Voilà, et donc c'est soit ça, soit ça. Allez. Pff, les gars, je suis trop fort. Hein. Allez, gosse bagarré. Avec le Major Bob. Ça fait plaisir de voir sur ce jeu, c'est moi qui te l'avais recommandé à l'époque, bah frère, vraiment incroyable. Allez, Tignon, tu restes à la porte. On va te prendre toi. Ah, non. Ah, je peux en prendre un quatrième. Toulouse est une des rares grandes villes de France qui n'est pas encore trop pourrie par le fric, tu confirmes? C'est-à-dire trop pourrie par le fric, parce que moi j'ai trouvé que c'était une grande ville de France classique. Quoi. Picalette. En fait, je vais lui casser la gueule à chaque fois. Oh, les one-shots que je lui envoie. Psycho-cut. Alors c'est une attaque physique qui a 70 et ça c'est 65 mais ça tape en physique alors que moi je suis meilleur en spé donc en fait ça ne s'apprend pas, non? Quand tu fais du bad, fais gaffe, mais une genouillère, je fais un beau 90 kg et mon genou en est fragilisé sur un faux moment, je me suis fumé de ligament. Ok, la genouillère ça fait vraiment du bien. Ouais, pour moi vu que c'est du physique ça vaut pas le coup. C'est quoi grosse? The user's body grows all at once, raising the attack and speed attack. Malheureusement, ah, c'est special attack. Ok. Ok, d'accord, bon. Je pense que je peux lâcher ça. Je verrai pour plus tard ce genre de truc. Rayboy, ça doit être le Raichu. Ouais, c'est croissance, ok, bien vu. C'est quoi le mix là? C'est Colossinge et Raichu? Raichu Electek. Ah, bien vu. Et puis on va se prendre une petite super popo quand même. On va pas déconner. Et là, Raichu, mon compte est mort, hein. Oh, le bâtard.
Oh, Vampigraine, c'est tellement horrible, sérieux. Oh, Vampigraine, c'est tellement de la saloperie. Toronto-Montréal le 20 août, bah, j'y serai pas. Je serai à Montréal du 7 au 9 et à Toronto du 1 au 7, donc voilà. Bon. Ça régale. HM07 téléporte. Comment ça HM07 téléporte, c'est quoi ça? Ok, un truc pour pouvoir se téléporter dans... dans les centres. Oh, je suis dingue. Tu conseilles quel pays pour 2-3 jours en septembre-octobre? Ça dépend ce que tu recherches, frérot. Désolé, ça me gratte la gorge. J'ai toujours ce bruit de merde quand ça me gratte la gorge. Ah. Un week-end chill avec ma copine. Bah franchement, moi, en octobre dernier, je suis allé à Prague avec Maï et c'était très très bien. Prague, c'est excellent. C'est assez touristique, mais ça dégomme. C'est une des meilleures villes d'Europe. Je pense que je vais leur foutre 2-3 Pokémon à eux. Juste pour la forme. Tiens, prends lui. Allez, prends le mystère, moi aussi. Hop. Tu penses quand une semaine après que tu as moins de tourner en rond, genre un week-end pas plus? Non, j'ai déjà fait une semaine à Prague, effectivement. Au bout d'une semaine, t'as quand même fait la majorité des choses en ville, mais il y a quand même des choses aussi autour. En vrai, ça va. Je te fais pas trop chier. C'est cool, Prague. Après, Prague, en réalité, c'est aussi une ville de petits cons. C'est aussi une ville un peu de fêtards, on va pas se mentir. Allez, ça dégage. Attends, le mix chétiflore, boostiflore, alors ça, je m'y attendais pas. Je pense quoi de Théo Lebrise de Lorient? Pas assez vu jouer. Pour avoir un avis dessus. Tiens, on va entraîner aussi Gara King. Faut que je commence à trouver un quatrième dans mon équipe. Pour l'instant, je suis à... Oh là 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 là. Pour l'instant, je suis à 3 et... C'est léger d'être à 3 Pokémon forts dans l'équipe quand même. Même si en vrai, avec le système des arènes où tu choisis combien de personnes et tout ça, machin, c'est vrai que c'est un peu difficile de faire mieux. Hop. Non, je suis pas du tout le championnat portugais. Qui a l'air d'ailleurs très cool au demeurant. Hein. Ah ouais, les développeurs, ils ont vraiment fait des travaux de fou. Les Pokémon, les petits ajouts, les quêtes, les machins, ça tue. Mais là, je devais trouver une meuf autour de la ville. Le gars, il voulait que je lui donne une lettre. Pourtant, j'ai fait tout le tour de la ville et j'ai pas trouvé. Je
suis allé en dessous, je suis allé au-dessus, j'ai pas trouvé. C'est... Enfin, je suis allé en dessous, je suis allé sur la droite, mais... Peut-être qu'il faut que j'aille au-dessus, non? Pourtant, au-dessus, j'avais déjà parlé à tout le monde, mais j'avais pas encore la quête activée, c'est peut-être ça. La quête de la go. Est-ce que je suis le dernier trailer du prochain jeu IFC 24? Bah oui. J'ai même fait une OP avec eux, avec Salma Bacha, pour ceux qui s'en rappellent, il y a pas longtemps. Bon, on y jouera à la sortie. En vrai, moi, FIFA 23, au début, à la sortie, j'ai kiffé. Hein. Moi, je m'en rappelle, FIFA 23, j'ai kiffé au début et j'ai joué jusqu'au Rule Breaker. Qui s'en rappelle des Rule Breakers? J'avais Nabil Fekir Rule Breaker, ça, je kiffais, ça. Et puis après, un peu après, quand ça a commencé à avoir les cartes de la Coupe du Monde et tout, j'avoue, ça... J'avoue, c'était un peu chaud. Tu vends cher qui pour 40 millions? Non, moi, si je peux, je garde tout le monde. En fait, comme j'ai expliqué, mais avec la DNCG, ça va nous... on n'est pas engagé sur un montant de vente auprès d'eux. À l'heure actuelle, je préfère avoir des petits renforts, genre en attaque, ça, machin. Et qu'on garde la plupart des gens plutôt que de vendre ces mecs-là. Un an en plus de Cherki, Barcola, Lukeba, Kakré, tous les jours je stream. Depuis, il y a Paul Pogba, Card BU. Les frères qui font toujours leur fut champion, maintenant vous êtes vraiment les mecs motivés. Après, pourquoi pas, hein. En vrai, fut, avec, malgré les défauts que ça peut avoir, ça reste quand même un jeu où il y a tellement d'updates que si t'aimes bien FIFA, je pense dans le chat d'en avoir, si t'aimes bien FIFA, toute l'année t'as des trucs, quoi. Tu te fais jamais, en termes de contenu et de choses à faire, tu te fais jamais chier. Ou très peu en tout cas. Stylé cette version de Onyx. Tyson, faudrait le faire fusionner avec un type spectre, c'est un très bon double type. Ah ouais? Et à qui comme Pokémon de type spectre qui correspondrait bien? Franchement, j'attends toujours dans le chat quelqu'un qui me dise « Ouais, ton Tignon, faut que tu le fasses fusionner avec ce mec. » Alors tu vois, genre la réponse qui tue, tu vois. Ectoplasma. Oh, en plus, dans le jeu, de ce qu'on m'a dit, les évolutions par échange, ils ont fait en sorte de les rajouter par niveau. Donc du coup, il n'y a pas vraiment d'évolution par échange. Faut que je trouve un Fantominus. Faut que je trouve un petit Fantominus ou... On peut regarder pour trouver un Fantominus, hein. En plus, on va arriver à l'avant-ville et tout. On va arriver à l'avant-ville, ça va être incroyable. Avec des Pokémon de merde dans cette zone, on se barre. Moi, c'est quand même particulier parce que j'ai quand même un Tignon niveau 25 qui a que des attaques de merde. Tu peux faire tes fusions comme tu le souhaites. Si oui, c'est le jeu du siècle. Oui, tu peux faire fusionner ce que tu veux, frère. C'est la folie. Même pas envie d'en capturer certains Pokémon. C'est vrai que là, pour le coup, sur l'objectif capture de Pokémon et les complètes... complétion du Pokédex, c'est vrai que je me suis pas trop focalisé sur ça depuis le début du jeu, si je dois être honnête. Hein. Putain, mais attends, Tignon Ectoplasma, plus je réfléchis, plus j'y pense. Hein. Je crois que notre équipe League of Legends évolue en LFL, joue à 18h. Annonce et ouverture de la mini strip KCX3, mais non. Arrête, mon frère. La folie, ça. Plaisir. Ça joue en LFL à 18h contre Game Ward en plus, non? Si je dis pas de bêtises. Je me trompe peut-être.
Je veux dire, du live de Papsan, Joël, il est éclaté. Mais il a dû avoir de la chance sur l'état de Joël, parce qu'en général, Joël, quand il est sous baril, c'est drôle un peu, mais c'est drôle 5 minutes, parce que sinon, il est complètement éclaté. Genre, il est éteint. Genre, Joël, quand il fait son barilman, en une heure, il est éteint, il parle plus. Genre, il a envie de dormir, tu vois. Iron Tail. Ah, c'est que de faire, Iron Tail. C'est un peu pas intéressant. Là, il enchaîne les shots, il check tout le monde 10 fois. Oh là 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 là. Papsan, qu'est-ce que tu fais, mon gars? Par contre, Flash, c'est en option. Comment on fait avec cette merde de Flash déjà? Là, du coup, effectivement, je ne l'ai pas. Ok, je me rappelle plus trop de quoi. Voilà. Flash, faut faire des quêtes à l'hôtel. Ah merde. J'ai raté cette information. Oh l'horreur. Parce que ouais, j'avais des quêtes à l'hôtel, mais je les ai activées, mais là, j'avoue, je les ai pas continuées, je suis un débile. Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire 2-3 quêtes à l'hôtel pour aller faire la grotte avec Flash, ou on y va sans Flash full OG? On peut y aller full OG, hein. Faut que j'entraîne ce con pour qu'il y ait des techniques plus intéressantes. Attends, on remet un coup de flûte pour éviter ça toutes les 2 secondes. Voilà, et tiens, on va mettre un petit repel aussi, comme ça vous foutez la paix. La grotte est longue dans mes souvenirs. Iiii, la grotte elle est bad longue. On dirait un lundi du confinement, comme dirait... Oh, je suis un enculé. Je veux pas vous entendre dans le chat. Vraiment, le premier qui se fout de ma gueule, je jure, il est banni. Ah vraiment, je suis là, je suis dans la Dark Knight en train d'essayer des machins et je suis retourné en arrière, sa mère. Je le prends mal. Oula, ça met du temps à le dégommer. Comment on fait pour jouer à ce jeu? Bah tu tapes le nom du jeu sur internet et tu l'as gratuitement en 2 secondes. Hein. Franchement, genre Pokémon Infinite Fusion, de tous les Pokémon que j'ai fait, ça a été le plus simple à assumer entre guillemets. Hein. Oh, la tronche du truc. Ouille. Je me posais la question si Tignon il allait assumer le choc. Mais bon, Tignon pour l'instant il est trop fragile. Faut qu'il apprenne 2-3 techniques et puis surtout faut que... il gagne un peu en assurance. Pour l'instant c'est un nullard. Nullard, Tignon. Ok, donc j'ai défini les limites de la grotte, on va avancer. Ok, faut aller à gauche. Attends, je vais aller voir ce qu'il y a en haut. Une meuf.
Demain j'ai 6 heures, ça va télécharger fort. Bah ouais, ça se télécharge vraiment facile. Hein. C'est vrai que là j'ai pas beaucoup de trucs pour casser la gueule d'un Pokémon herbe. Là j'ai les crocs-givres. Ouais, ça dégage. Jean-Luc Tignon, il dégomme lui-même ses cibles. Oh l'horreur. J'ai que des attaques de merde. Boum. Voilà, 800 d'XP, ça, ça régale. C'est quoi Vacuum Wave? Ouais, bon, ça frappe en spé, c'est pas ce qu'on préfère, mais... C'est-à-dire que c'est mieux que rien. En plus, il y a une petite prio. Allez, ça me fait une petite attaque combat. Ça fait pas de mal, une petite attaque combat. En plus, attends, Miaouss Mélofé, il y a moins que ça donne des sous, ça. Enfin, de l'XP, ça. Ouais, pas tant que ça. C'est un téléchargement, tu m'as convaincu. Bah ouais, bah le jeu est lourd. Attends, en haut, ça a l'air d'être la bonne route, donc je vais retourner en bas pour aller voir ce qu'il y avait à gauche. Oh, l'horreur. Ouf, ok, lui, il a besoin d'une vraie compagnie. Ouf, bah lui, il fait mal, lui, hein. Voilà, bon, heureusement que j'ai le roi pour... Oh, les fusions avec des Ramolos, ouais, effectivement, c'est... t'as dit c'est extrême, c'est bien extrême, hein, c'est beau. Ok. Bon. Attends, le rocher, là, il me dit un truc. Oh, Nosferalto. En vrai, un petit Tignon Nostanfer, je sais pas si on peut avoir Nostanfer dans ce jeu, mais un petit Tignon Nostanfer, ça peut être intéressant. J'ai plus trop de quoi me heal. Pokémon Home, non, ça me dit rien. Après là, c'est vrai que désolé de faire le pauvre dresseur minable qui capture très peu. Oh, c'est quoi ce train? C'est Osley qu'on... C'est Osley et qui? Oslet Arinor. Attends, je vais remettre la Black Flute, hein. J'ai pas l'impression qu'elle est activée là. Active la corde de sortie pour voir, oui, bah oui, tu veux qu'on se bagarre, toi. Que ça ramène au même endroit, ici. Je pense qu'on est pas loin de la fin, là. On n'est pas loin de la fin. Voilà, je t'aligne, mon pote. Let's go! Allez, une bonne technique là pour Tignon ou. Est-ce que vous connaissez mon ami Joël Posba d'Ivoirien? Empêche de passer, on va monter. Je crois qu'à chaque étage, faut que je la remette la flûte. Hein.
Ok, l'OSIP. Ça s'appelle un passage. Je sais pas c'est quoi l'attaque l'OSIP là. Joël il est bourré. Eh hey, j'ai trop d'émissaires de Joël Digbeu là qui viennent me dire qu'il est bourré. Il y a trop de gens qui viennent poucave là dans le chat. Ah ok. C'est bien la bonne route là-bas. Ok, il va y avoir un mec à casser la gueule à gauche, là. Il est uniquement en anglais. Aucune idée. Moi, je l'ai eu en anglais, mais je vais pas essayer... Oh putain, faut remettre la flûte. Joël, c'est le Jack Grillish de Twitch. Notre ami Jack Grillon post... post-titre. Hop là. Ouais, ouais, c'est pas de l'anglais très... On n'est pas sur l'anglais le plus difficile non plus. Ah, Aquatail, ça démonte ça. Ah oui, non, mais la question ne se pose même pas. En plus, ça tape en physique. Là, on va avoir une attaque haut qui fait très mal. Eh, Onyx et Stylix, ça démonte. Hein. C'était l'une des évos les plus stylées que j'ai vues depuis le début. Et du coup, là, ensuite, ça va être là. Voilà. Demain, faut que je me lève. J'ai plein de choses à faire. Pour Tyson, il faudrait le double type spectre, ténèbres, électrique ou acier sur les plus optiques niveau résistance, faiblesse. Moi, j'avais pensé à peut-être électrique, tu vois. J'avais pensé à peut-être électrique en vrai. Squad Double Edge. Double Edge, c'est quoi déjà comme attaque? C'est le bail ou genre c'est une sorte de plaquage encore plus puissant, non? C'est un plaquage encore plus puissant, non? Ah, c'est Damoclès, ouais. Bon, ça vaut pas le coup, je crois. Hein. Même si ça tape fort. Je pense que je suis proche de la fin. Je vais essayer de faire le crevard sur... Ouais. Et franchement, et je sais pas comment ceux qui sont à deux doigts de s'endormir là, dans le chat, parce qu'il y en a toujours. Je sais pas comment vous faites avec ce noir comme ça là. Ah, super potion, nickel. Je suis vraiment proche de la fin.
n'est pas une blague. Oh, rappelle Max. FM Database 98. Oh, le niveau de hipsterisme. En vrai, ça va être marrant les databases dans ce style. Je joue à LoL en même temps. Moi, ça fait longtemps que je joue plus, que j'ai pas joué vraiment à LoL. Ça fait un moment. La saison se termine quand déjà? J'aurais bien tenté un rush plat avant, mais bon. J'ai vu que PA il était dans ses bails là. Ce soir. Et depuis quand la saison finit en juillet? C'est pas en décembre habituellement? Ah, demain, nouvelle mi-saison. Ok, j'avais pas l'habitude de ce système de mi-saison. Dites-vous, j'ai même pas suivi. C'est vous dire mon niveau d'implication dans le jeu. À part effet Pokémon, sera quoi le prochain arc? Bah, aucune idée, frère. Je peux retrouver un jeu solo, je suis pas contre. Hein. Ok, là en bas, il y a une escape. Je vais juste voir, il y a quoi en haut correctement, du coup. Ok, il y a de la bagarre. Non, Zelda, ça me tente pas du tout. Là, je récupère de la vie gratuite. Hop, voilà. Ouais, j'arrive jamais à la fin ou quoi? Il y avait ce truc là, il y avait un truc en bas. Moi j'ai une doctrine dans Pokémon, tant que je rencontre des dresseurs, c'est que je suis sur la bonne route. Donc peut-être qu'en fait l'échelle d'en bas, c'était peut-être pour aller récupérer une Pokéball. Dance. The user attacks by scattering petals for 2 to 3 turns. The user then becomes confused. Alors c'est puissant, mais d'après la description, ça vaut pas trop le coup, non? Dance fleur. Ça a pas l'air de valoir trop le coup, non? C'est comme colère, ok. Mais du coup, c'est quoi? Ça faut partir dessus ou... Parce que ça a l'air pas mal, mais bon. C'est la meilleure attaque en finish trop fort. Ouais, c'est la meilleure attaque, faut partir avec. Ok, bon. Et je fais quoi? J'enlève... J'enlève Grass Pledge ou j'enlève Venoshock qui... Mais du coup, je perds ma seule attaque poison. J'hésite. Parce que du coup, Vampigraine, j'ai envie de garder. Il faut que j'ai de la place pour des attaques psycho... des attaques psy. Du coup, ouais, techniquement, d'après les trucs, ce serait plus intéressant de faire ça. Faut être sûr de one ou two shot. Après, bon, si ça juste confus, c'est pas non plus très grave. Ouais, Venoshock. Garde Vampy, c'est strat. Ouais, Vampy, je vais garder, ça a l'air fort. L'attaque poison te sert à battre quoi? Bah, en vrai, c'est juste histoire d'avoir une attaque poison en plus dans le moveset. Je sais que c'est pas inutile. En plus, ça a une certaine synergie si j'arrive à l'empoisonner avec l'autre. En vrai, c'est pas immonde, je pense. Hein. Ouais, j'ai le Grass Pledge. Ok, bon. Juste aller voir, il y a quoi là-bas, avant. Ah bon.
à la place de Lich Seed, plus tard tu auras Gigadrain. Oh l'horreur. Gigadrain, on verra. Après, Vampigraine, ça dure sur plusieurs tours. Tu le fous une fois et après t'es bon. Ça vaut le coup quand même, Vampigraine. Je pense qu'en haut c'était la bonne route. Je pense qu'ici ça nous mène. Ok, j'ai vraiment une analyse qui est nulle en fait. Mais par contre, c'est quoi ce lieu? Ça me dit rien du tout. C'est quoi cet endroit? Ouais, je sais qui ça. Monorpal. Ok. Je connais pas du tout. Est-ce que ce serait... En plus, Ghost, c'est Spectre. Est-ce que ce ne serait pas notre fusion avec Tignon, là, qu'on a sous les yeux? En plus, il est en attaque normale. Les fusions avec lui sont incroyables. Est-ce que c'est pas lui, notre fusion avec Tignon? Après, niveau 27, niveau 10... On n'essayerait pas. Après là, je vais perdre beaucoup de niveaux quand même, mais... Est-ce qu'il faudrait pas lui monter quelques niveaux un peu à la merde de Monorpal avant de faire la fusion? Je pense que c'est plus rapide de lui faire monter de quelques niveaux sur des combats récents là qui donnent beaucoup d'XP. Non? Autant fusionner de suite. Ouais, mais je vois, mais je suis pas forcément d'accord. Après j'ai des... comment ça s'appelle? J'ai des super bonbons. Donc en vrai, je peux lui donner double super bonbon, le faire XP un petit peu. Ou alors, non, je peux juste faire la fusion tout de suite et donner double super bonbon, c'est mieux en fait. C'est juste que je me dis que là, niveau 10, il va prendre des XP très vite, tu vois, donc... Même j'ai Zach en live nocturne. Ah frère, t'arrives vers la fin, là. Ok, Monorpal, je retiens. Tu vois, genre un bike comme ça, tu vois, je me dis que là, à l'heure actuelle... Après, là, je suis un peu low, quand même. Je peux moins me permettre ces bêtises. Aïe. Ça pue sa merde de faire ça. J'ai trois super bonbons. Garde les super bonbons pour la fin du jeu. Envoyer maintenant, c'est incroyable aussi. Live de Popsan était historique. Ah bah j'ai bien capté, hein, vu comment vous en parlez, ça a l'air incroyable. On fait les petits switch. Ouh là, ça a l'air de faire mal son bail. Ouais, ça fait mal son attaque. Hop. Poursuite. Non. Oh non, je suis un connard. J'ai dit non à poursuite alors que c'était l'autre. En fait, j'ai cru que c'était pour Nidoking. Oh, je suis un connard. Ça avait l'air d'être une bonne attaque pour lui. Je suis débile. Bon, il a déjà monté 3 niveaux là. La légende de Barilman est réelle, bien sûr.
zéro fake news dans cette histoire. Faudrait que jette un œil à cette fameuse rediff de Joël, vous êtes trop nombreux à me dire qu'il a plié un classique pour pas que je check ce que ça a dit. Je veux voir ce fameux classique, oh le bâtard. Oh tous mes Pokémon ils sont low sa mère. Je vais laisser mourir lui. Qu'à partir du moment où ils arrivent au bar, ils s'envoient à une vitesse. Même on sort à l'école de commerce, ça tempo plus. Mais après, Joël, les gars, il tient pas. Hein. Genre, Joël, c'est pas un bon buveur. Hein. Il a jamais tenu à ses conneries. Hein. Oh, il m'a cassé la gueule. Il a tapé 10 shots et 2 mojitos. Oh là 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 là. Et Joël, en plus, je veux dire, c'est quelqu'un qui ne tient pas. Hein. J'irai regarder le résumé de ses bêtises. C'est où la suite? Ouais, je commence à devenir fou, c'est où la suite? Il s'est fait un pote SDF. Ah, je regarderai ça. Ah, c'est là. Enfin. Enfin. Je regarderai ces fameuses aventures de Joël. Sans potion, c'est un enfer, ouais, c'est horrible. Ouais, et niveau 15. Là, niveau 15, je pense, je peux envoyer la potion, non? Enfin, je peux envoyer la fusion, je pense. J'envoie la fusion. Je triple super bonbon et je pense qu'on peut commencer à y aller, non? Ça peut commencer à être intéressant. Allez. Il a pris 5 niveaux assez vite. Fight Ghost ou Steel Fight? Eh bah, Fight Ghost. Ah, attends, juste save avant. Voilà, c'est save. Du coup. Il sera niveau 23.
Oh, je suis mort. Let's go, hein? Oh, l'horreur. Alors. Select de Pokémon, vas-y. Ability. Is protected from flinching. Ensure attacks by or against the Pokémon land. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je touche dans tous les cas, mais que je me fais toucher aussi, non? C'est un peu nul, non? Genre raté mais se faire frapper à tous les coups, c'est un peu nul ou alors faut prendre? Comet Punch. Alors. Rock Smash. Sword Dance, c'est incroyable, hein? Faut pas enlever ça, ce truc, non? Ah ouais, Sword Dance, faut pas enlever, on est d'accord. Alors, bilan, on vient d'arriver. Niveau 23, ça va, il est pas ignoble. 51 en attaque, 53 en défense. Donc il a commencé à quand même prendre un petit peu. Il va falloir lui apprendre quelques techniques à ce frère. Et puis voilà, hein. On va regarder ça. Mais là, on est vraiment pas trop mal. Bon, vas-y les gars, je sauvegarde. Hop, super. J'en reste là pour ce soir, les gars. Je fatigue un petit peu et surtout demain, j'ai des tournages importants. Donc, merci à vous d'avoir suivi. C'était vraiment super cool. Un petit 3 minutes de pub, comme d'habitude, à la fin. Je reviens demain en live, demain soir ou demain, je ne sais quelle heure, vous inquiétez pas. Des gros bisous à vous. Restez pour la pub à la fin et je vous souhaite une bonne nuit. Passez une bonne fin de soirée. Ciao, ciao tout le monde.